Bien le bonjour à tous, une petite sortie sous la pluie. En fait initialement j'avais prévu d'aller essayer de trouver un peu la neige vers la vallée de la Blanche, vers Seynes, tout ça. Mais d'après les webcams que j'ai vues avant de partir là, c'est la limite pluie-neige est très très haute. Même le bas des stations il pleut plus que ce qui neige. Donc du coup pour le moment on se rabat sur les environs de Digne. Où avec la pluie il y a cette ambiance brumeuse, donc je vais essayer de faire quelques images dans les forêts au-dessus de Digne. C'est pas un domaine que je maîtrise trop, c'est dur de trouver des compositions dans ces forêts là, enfin j'ai du mal, mais du coup voilà, je vais essayer de trouver quelques compositions dans le coin avec un peu le brouillard, les arbres, tout ça, voir ce que ça donne. Bon, malheureusement il pleut, donc c'est pas le plus confortable pour travailler, mais on va essayer. On a pris le parapluie. Une des petites compositions que je tente. Le truc, c'est que forcément, je suis en contre-plongée parce que je veux un peu cadrer le haut des arbres avec cette ambiance un peu brouillardaise. Mais du coup, les arbres sur le bord, là, surtout les deux à gauche, j'aime pas trop, les autres, ça passe à peu près. Il faut tourner autour du sujet, et pas autour du pot. Le parapluie, accessoire indispensable aujourd'hui. Ah, j'ai changé de sac photo aussi. Je vous ferai un petit topo si ça vous intéresse. Mais pas aujourd'hui, c'est pas les conditions idéales. On est monté tout en haut, au niveau du relais télé. Donc au niveau de l'Andran, pour ceux qui connaissent, au-dessus de Digne. Donc on est sorti de la forêt, on est encore un peu dans la brume, mais en fait il n'y a plus trop de sujets quoi. C'était intéressant dans la forêt, cette brume, parce que ça faisait des ambiances. Je vais peut-être tenter une ou deux images, je vais voir si je trouve quand même quelques petites compositions sympas avec les arbres dans la brume, avec différents plans à voir. J'espérais en fait qu'il y ait, en montant jusqu'en haut, qu'il y ait des nappes de brume et qu'on voit émerger quand même quelques sommets alentour, mais c'est pas du tout le cas quoi, on est bien dedans quoi. Donc on va continuer l'exploration hein. Rien n'est perdu. Quelques arbres sympas là, le long du sentier. Il pleut pratiquement plus. La brume est un peu plus dense que tout à l'heure. Du coup, avec les arbres qu'il y a là au-dessus, là, je vais un peu monter, voir s'il y a quelque chose à faire avec des silhouettes d'arbres, des choses comme ça. Parce que ceux-là, ils sont jolis, mais ça ne donnera pas forcément grand-chose. Allons voir ça plus haut.
forcément, il recommence un peu à pleuvoir. Donc je vais tenter peut-être cet arbre-là, mais il est peut-être pas assez isolé du fond. On va voir. La brume bouge assez vite, enfin assez vite, tout est relatif, mais du coup on tente quelques compos. Mais en fait la brume s'est vite dissipée, là, elle est en train de se dissiper. Ce qui n'est pas plus mal parce que là-bas il y a des sommets qui commencent à se dégager, donc on va voir s'il y a des images un peu plus larges à faire. Là-bas, ça bouge assez vite. Je vais aller voir ça de plus près. Alors, vu que la brume commençait à se lever, qu'on commençait à voir un peu les montagnes en face, un peu le Cousson là-bas derrière, je suis remonté au relais en me disant qu'il y aurait peut-être quelques endroits avec une espèce de petite mer de nuages, un peu les sommets qui dépassent. Mais en fait, le temps que je remonte, c'est-à-dire 5 minutes en voiture, même pas. On est à nouveau dans le brouillard, pratiquement complètement. On redescend, on est à nouveau dans la forêt où j'ai fait deux photos de l'arbre avec ses feuilles en montant. Il y a encore bien du brouillard, mais là il commence vraiment à faire trop sombre. Donc ben, c'est peut-être la fin de la vidéo, parce que d'aujourd'hui je pense pas que je fasse encore grand chose. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo, donc je vous dis à bientôt, merci encore et à la prochaine fois.